Il n'y aurait aucune trace de l'avance reçue par Johnny Hallyday pour son dernier album. Cette avance serait de 2 millions d'euros. Cette somme aurait été dépensée. C'est ce que croit savoir Fabrice Argela, rédacteur en chef de Voici, qui était invité sur le plateau de LCI. Pour l'occasion, Roselyne Bachelot l'a interrogé sur l'avance faite par la Warner à Johnny Hallyday. Il paraît que l'argent qu'on va tirer de ça a en fait déjà été dépensé.